Alors, pour vous montrer comment c'est un agent israélien, c'est dans quelques jours partira en Israël un grand groupe de juifs français. D'ailleurs, quand on écoute les médias judéo-sionistes, ils sont en train de faire plein de pubs pour aller visiter les villes soumises au bombardement du Hamas, pour visiter une base militaire, pour dîner avec les responsables militaires, etc. Bon, donc c'est un voyage vraiment de propagande. D'accord? Bien. Alexandre Adler est un des deux animateurs qui vont emmener ce groupe. Voilà. Donc, l'autre, je me souviens pas. Enfin, parce que j'entends beaucoup la publicité dans les radios juives. Ben, il suffit de se mettre sur une radio juive. Elle passe 10 fois par jour, 20 fois par jour. Donc, c'est vraiment un voyage de soutien pour la politique israélienne, etc. Et Alexandre Adler est un des deux qui emmène ce groupe. Bon, si on voulait une preuve, enfin, est-ce que c'était nécessaire? Mais si on voulait une illustration de ce pouvoir, de cette infiltration, ben voilà. Et ce qui est, enfin, ce qui est terrible, c'est-à-dire, c'est que c'est une personne qui distille par ses commentaires. Et les gens finissent par croire que c'est un expert, qu'il dit des choses intéressantes, etc. Mais en fait, c'est un agent du Mossad. Oui, parce C'est qu'ils un sont agent. très très forts là-dessus pour Voilà, faire c'est. passer les Voilà, gens. voilà. En fait, c'est. Voilà, on fait ça, ce critique, etc. Son commentaire et tout, c'est quelqu'un de compétent et tout. Mais en fait, il distille la propagande israélienne. Voilà. Moi, il y en avait un deuxième comme ça, Oui. et que j'avais remarqué déjà par moi-même, donc quand je l'ai vu apparaître dans la liste, je n'étais pas étonné, c'est Frédéric Ancel. Ah, oh, Frédéric Ancel. Parce qu'il est fantastique, il Ah se bon. présente comme un spécialiste Un du terrorisme, voilà, un géopoliticien, géopolitique, spécialiste du etc. Moyen-Orient, Voilà. etc., etc. Et il est systématiquement invité, il faut Tout bien à fait. dire que... Ah ben oui. Alors là, on lui ouvre Ah toutes les oui, portes de bien sûr, toutes les bien sûr, émissions, bien hein, sûr. vous pouvez aller le voir de France 2 à ITV, Tout à à fait. machin, dès qu'il y a un débat sur le terrorisme, c'est lui. Ou dès qu'on parle géopolitique, bon, Bon, voilà. quand il passe sur BFM, etc., il polie un peu son discours. Mais quand il passe sur les radios juives, Voilà. Bon. c'est un autre discours. Parce que c'était un militant du Bétard, lui, quand il était dans sa jeunesse. Donc on rappelle à certains politiques qu'ils étaient à Ordre Nouveau, mais lui, il était dans l'équivalent d'Ordre Nouveau. Oui, bon, on lui rappelle Et jamais sur un voilà. plateau. Ah ben vous, ancien Voilà, membre du Bétard, ça on exactement. l'entend pas, Voilà, ça c'est vrai. voilà. Hein, ben, je l'ignore en plus. Donc, Voilà, voilà. d'accord. Ah non, Ah ben c'était. voilà. Donc c'était. Et quand il part dans les médias juifs, il exprime tout à fait un appui total à Israël, enfin, Voilà. voilà. Parce qu'il vient à chaque fois, alors systématiquement, il joue un rôle très important aussi, j'ai l'impression, dans les guerres. Parce Oui. que quand on est en préparation d'une guerre, c'est toujours lui qu'on voit sur les Oui, plateaux pour défendre, quand il y a eu les interventions en oui. Libye, en Syrie, en Mais Afghanistan, etc. le Voilà. travail des Sayanim, c'est de faire en sorte qu'on invite lui et pas un autre. Oui. Voilà. C'est ça. Comme ça, il vient Voilà. Je et pense que Routel-Krieff est là pour Routel-Krieff. l'amener à parler, pour l'inviter, etc., pour lui donner cette aura, cette crédibilité. Mais voilà le tissu. Il faut imaginer cette toile d'araignée qui recouvre tous les médias, sans compter les autres administrations, etc., Non, qui parce que les médias, recouvrent. c'est flagrant Ah parce ben qu'ils bien sont sûr. obligés un peu de Bien montrer leur sûr. tête, si Tout à j'ose fait. dire. Donc, Oui, mais sans qu'on le sache, voilà. sans qu'on le C'est-à-dire, sache. Ouais. les gens finissent par croire que ce Oui, sont des experts que sont des indépendants. experts indépendants. Voilà. Alors, c'est comme, il y en a un aussi qu'on voit très souvent, c'est Maître Golnadel. Oui, bah lui, Ah, c'est. alors, on le voit sur tous les coups, il est très présent aussi dans les Oui, médias. il est président ou bien vice-président du groupe France-Israël. Il est membre de la direction du CRIF. Enfin bon, ses papiers sur RCJ sont enfin, je ne sais pas quand il parle ailleurs, mais quand il parle sur RCJ, enfin on a l'impression, ou Radio J, enfin je ne sais pas. C'est vraiment la voix de son maître sioniste, enfin la voix du Mossad, Oui, quoi. je l'avais entendu déclarer, oui, j'ai les yeux secs quand je pense à la Palestine, aux enfants palestiniens. Bon, c'est des déclarations comme ça. Alors, on avait parlé tout à l'heure de Gil Taïeb. Alors, il y a d'autres personnages un peu Oui. comme, alors, comme Avishai Léger-Tanger. Alors. Oui. Alors, pourquoi j'ai parlé de lui? Parce que lui, c'est quelqu'un du Bnaï Brith. Bon, c'est un membre important du Bnaï Brith et qui, lui,
il s'est chargé de l'affaire de Lille. Quand la mère de Lille, Martine Aubry, a suspendu le jumelage, lui s'occupe de cette affaire. C'est-à-dire, il a envoyé une lettre à Martine Aubry et il est en train de monter un mouvement d'opinion contre la mère de Lille, éventuellement même aller jusqu'au tribunal, etc. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, en le citant, c'est montrer comment ces gens-là sont partout et ils réagissent. Ils ont un pouvoir et une capacité de réaction phénoménale. Voilà. C'est-à-dire, ils ne laissent pas passer. Ce n'est pas juste une critique comme ça, bon, Martine Aubry a fait ceci, c'est pas bien. Non, ils prennent les choses en main, ils vont au bout de leur logique, ça c'est vrai, c'est très vrai. Voilà, ils saisissent, c'est pour ça, c'est un autre débat, mais sur le communautarisme musulman, que j'appelle de mes voeux pour contrer le communautarisme juif, mais ça c'est un autre débat. Mais il a mobilisé le Bnaï Brit de Lille, il a mobilisé la communauté juive de Lille pour envoyer du courrier, pour faire une campagne d'opinion, pour acheter des espaces dans la presse, etc. Et c'est pour ça que je voulais le citer, parce que c'est un des exemples justement de ces Sayanim qui sont là sur la brèche pour défendre Israël tout le temps. Voilà, dès qu'il y a le moindre petit pépin. On voit que c'est ça, le moindre. Voilà. C'est ça qui est assez étonnant dans les réactions. Voilà, ils sont des milliers, ouais. Ils sont installés partout. Et donc, ils sont prêts, ils sont dans une position de combat. Voilà. Et donc, ils lâchent rien. Voilà. Et c'est ça, parce que ça veut dire que Martine Aubry à Lille, eh ben même, elle va faire quelque chose, il y a quelqu'un qui agit directement, À l'automne 2013, le musée du jeu de paume a organisé une exposition de photos d'une photographe palestinienne. Et le CRIF, il ne savait pas comment attaquer cette exposition. C'est-à-dire, après tout, une exposition auto. Heureusement, en quelque sorte, la photographe a photographié un type avec un bandeau vert, avec une écriture machin, genre un martyr. Et là, ils ont trouvé leur cheval de bataille, une photo sur 30 ou 40. C'est un terroriste. Un appel à la guerre, etc. Et là, il fallait voir. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi. Oui, j'ai de très loin, mais... Il y a eu des manifestations, des appels à la bombe. On a écrit à la ministre de la Culture qui a dit « Je suis désolé, je n'ai aucun pouvoir », etc. On a harcelé la directrice du musée, etc. Et je suis sûr que la prochaine fois, je mets ma main au feu, qu'un directeur de musée, il réfléchira 10 fois avant d'inviter une photographe palestinienne. Parce qu'il s'est dit « Oula, j'ai pas envie d'avoir une histoire ». C'est ça l'organisation. C'est-à-dire, pendant un mois, ça a été l'horreur. Ça a été l'horreur. Voilà. On n'a pas le droit de montrer même des photos. Les photos de la vie quotidienne, des Palestiniens, voilà. De même la vie ça, quotidienne. Il ne faut pas qu'on le voit. Voilà. Et même ça, ils sont sur la brèche. Ils ne lâchent rien. Voilà. Et c'est ça que je voudrais que les gens prennent conscience de ça. De cette force et de cette arrogance, de cet unilatéralisme. Alors il y a aussi d'autres personnages, il y a Jean-Michel Rosenfeld. Ah oui, lui. on a quand même des sacrés personnages. Alors, voilà où ces gens s'infiltrent. Je voulais juste montrer pourquoi il était important. D'abord, ce type, c'est un franc-maçon. Donc il fait sa propagande au sein de la franc-maçonnerie. C'est quelqu'un, un membre très influent du Parti Socialiste, mais derrière le rideau. C'est-à-dire, il a été au conseil municipal du 20e arrondissement pendant une vingtaine d'années. Il a été très proche de André Mauroy. Et il a occupé la fonction de président de la Fondation Jean Jaurès, ou vice-président. Donc c'est quelqu'un vraiment qu'on peut classer à gauche. Enfin, mettons, voilà. À gauche de la gauche du Parti Socialiste. Mais sioniste. Bon, voilà. Et donc, lui, il joue son petit rôle régulièrement, mais lui, il a été chargé de démolir Éric Zemmour. D'accord. Voilà. Oui. Donc, il était chargé, comme d'autres. Mais lui, lui fait partie de ces gens à qui on a dit il faut démolir Éric Zemmour, parce que Éric Zemmour, ça passe pas pour la communauté.
Il est trop critique vis-à-vis de la communauté juive. Non, il a dit, il a osé énoncer une vérité historique sur Pétain. Ah oui. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement il y a des grands historiens comme Robert Aron, etc., qui ont soutenu que Pétain a sauvé des juifs. C'est-à-dire, bon, voilà, il a fait une politique qu'on peut bien sûr critiquer, etc., mais qui est arrivée au fait que beaucoup de juifs n'ont pas été pris par les Allemands. Bon, très bien. Et cette thèse est défendue par un historien juif israélien, rabbin, qui a écrit Pétain et la Shoah en 2013. Donc, je l'ai entendu moi-même dans une radio juive, donc c'est incontestable. Sauf que Zemmour, le Rosenfeld en question, il n'a pas opposé une réponse au fond avec Zemmour. Non, il a dit, parce que je l'ai entendu dans une radio, il a dit oui, c'est pas bien de semer le trouble, enfin, ces arguments-là, semer le trouble... semer la confusion dans les esprits, réhabiliter quelqu'un qui ne méritait pas ça, etc. Et donc, c'est, voilà des gens qui sont dans l'ombre, voilà, et qui travaillent, qui font leur boulot. Voilà. C'est-à-dire, cette semaine, démolir avec Zemmour, une autre fois, probablement, pour parler d'autres choses. Mais ils participent, voilà, ils participent comme un Sayan, comme d'autres Sayanim, à ce travail de sape contre tout ce qui peut gêner la communauté juive. D'accord, parce que c'est vrai qu'Éric Zemmour, suite à sa sortie sur NPC, voilà, il s'est fait traiter d'antisémite toute la semaine, voilà, par Georges Marc Benamou, Attali, machin, tout le monde lui est tombé dessus. Ce que ce Rosenfeld, il est de la gauche mais en même temps, ça n'empêche pas qu'il fait partie de, probablement, de ces Sayanim qui veulent défendre les intérêts de la communauté, voilà, dans le sens pour le sionisme, oui. D'accord, alors, il y en a plusieurs. On pourrait parler de Frédéric Aziza, parce que lui, il est beaucoup... Ah oui. Ah, il est dans l'actualité en ce moment, puisqu'il a fait un procès, on le sait, contre Frédéric Alain Aziza, Soral. Vous savez, j'ai publié il y a 2-3 jours une interview sur le site de ER. Oui. Et on m'a posé la question sur Frédéric Aziza. Alors, la question était posée ainsi. Vous dites que le Mossad recrute des gens compétents et intelligents, etc., de Sayanim. Mmh. Comment ça se fait qu'il a recruté un type incompétent et médiocre? Parce que pour lui, Frédéric Aziza est incompétent et médiocre. Donc j'ai répondu de la façon suivante. Éric Aziza a beaucoup de défauts, c'est-à-dire il est hargneux, il est arrogant avec les... Vous savez, il y a une vidéo où il est très arrogant avec, je ne me souviens plus, un homme politique qui ne vaut pas grand-chose. Enfin, ah oui, le pauvre, c'est le cheminade. Voilà. Voilà. Mais avec les puissants, il se couche. Il se couche, mais là, oui, il lui fait une misère. Mais pour moi... On ne peut pas le taxer d'incompétent ni de médiocre. Pourquoi? Parce qu'il remplit très bien les fonctions de Sayan. C'est-à-dire, c'est un chien de garde. C'est un pitbull qu'on met sur la chaîne parlementaire. Il remplit parfaitement son rôle. C'est-à-dire, il n'a ni l'aura, ni les réseaux de BHL. Mais là où il est, il remplit son rôle. C'est-à-dire, il défend... la politique d'Israël, il tape sur Dieudonné Soral, enfin, c'est-à-dire il remplit le rôle qu'on lui a dit de remplir. Et il le fait très bien. Mmh. C'est-à-dire il le fait comme un bon chien, comme un pitbull. Mmh. Et donc, pour moi, et d'ailleurs, je disais dans la réponse, et depuis quand en France, pour être journaliste, il faut être indépendant et intelligent? Non, il faut être servile, c'est tout. Ça veut dire... On peut être compétent, mais il faut être surtout servile. Ça veut dire, vous savez, à RFI, dans les années 2000, il y a eu 3 rédacteurs en chef qui ont été limogés. À RFI? Parce oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'allaient pas dans le sens... Parce qu'ils n'allaient pas dans le sens voulu par vis-à-vis d'Israël. Donc, 3 rédacteurs en chef ont été limogés. J'ai oublié leur nom, mais je sais qu'il y a eu 3 rédacteurs en chef. Donc...
Pour moi, Frédéric Azéza, et en plus, il joue le rôle de victime. Oui, ah oui, ah oui, c'est moins qu'on puisse C'est dire. merveilleux. Hein. Donc, tout le monde lui vient en aide. Enfin, Ah bah, le journaliste attaqué, on du nous canard dit. enchaîné jusqu'au, enfin, etc., jusqu'au Figaro, etc., pour dire que ce sont des attaques bassement antisémites, Oui, voilà. etc. Alors que c'est un type qui fait le boulot de l'agent du Mossad, voilà, au service d'Israël. Et c'est pas. En même temps, il passe pour un journaliste français. Oui. C'est ça qui. En fait, le Sayan, c'est ça ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il passe pour un journaliste français qui fait son boulot dans une chaîne parlementaire, sur une chaîne parlementaire. En fait, il est là. Il peut faire son boulot pour les autres questions, mais il est là aussi pour transmettre les instructions de ses maîtres. Voilà. Alors, il y a des personnages, il y Oui. en a d'autres comme Samy Gozlan, Ah, Samy on ne Gozlan. pourrait pas l'échapper, puisque lui, c'est quelqu'un qu'on voit, alors on le voit de temps en temps quand même apparaître, hein, Samy Gozlan, j'ai déjà vu apparaître dans des vidéos, mais on ne connaît pas trop ni son rôle, ni son Samy influence. Gozlan d'abord était un commissaire, ou un commissaire divisionnaire. Je ne sais plus très bien. Enfin, D'accord. c'était commissaire ou commissaire divisionnaire. Donc enfin, il est à la retraite maintenant. Et il a créé ce qu'on appelle un service de lutte contre l'antisémitisme, bureau de surveillance, quelque chose comme ça, contre l'antisémitisme. C'est-à-dire, c'est un organisme, ou une association, qui appelle constamment les juifs dès qu'ils ont le moindre problème. Je sais pas moi, si quelqu'un les regarde de travers dans la rue, etc. Il faut déposer plainte. Et il a ses entrées, il a ses entrées partout. C'est-à-dire, lui, il dit, j'ai appelé l'Élysée, j'ai appelé le ministre, etc. Bon, donc, c'est quelqu'un de très important, parce qu'on le voit souvent quand il y a des réunions du CRIF, etc., avec le ministre de l'Intérieur. Donc il a des connexions avec. Il fait un peu le lien entre les instances juives, enfin de la communautaire, et les autorités policières, de la préfecture, et même de Matignon en général. Il a ses entrées à Matignon. Et donc c'est quelqu'un qui est très important dans le sens où. Comme tout à l'heure, on a parlé de l'antisémitisme, c'est-à-dire comme arme de dissuasion massive. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre pépin, on sort l'antisémitisme. On dégaine l'antisémitisme, voilà. Et lui, c'est le grand spécialiste de ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, enfin, dès qu'il y a un problème d'antisémitisme, lui, c'est sa spécialité. Et donc, enfin, les procès, etc., D'accord. En fait, ce sont il a probablement un service qui doit surveiller qui doit surveiller les sites, qui doit surveiller les personnes, etc. À l'affût, et c'est ça le vrai travail de vraiment de fond, de profondeur, à l'affût du moindre dérapage, enfin ce qu'on peut appeler dérapage, voilà. Et donc lui, comme c'est un ancien flic, il sait s'organiser C'est dans ce s'organiser puis sens-là, de voilà. bénéficier de... Et puis c'est un sioniste convaincu, c'est-à-dire Convaincu. enfin, il n'y a pas il n'y a pas la moindre réserve. Voilà. D'accord, c'est ça qu'on a du mal à imaginer des fois quand on voit des gens qui occupent des positions comme ça, donc policiers, enfin qui sont dans l'administration française et qui sont sionistes. Alors, il y en a Oui. un j'ai envie de dire, inévitable, imparable, bah, c'est l'inérable BHL. Bernard-Henri Lévy, alors lui, j'ai envie de dire, c'est la star des Ah oui, Saïd. vous savez, je fais dire au chef du Mossad à Paris, il dit à quelqu'un, il dit à Gil Taïeb justement, que dans le roman il s'appelle Gil Talibani, parce que c'est un taliban pour moi, enfin, vous voyez, c'est-à-dire taliban, talibani, enfin. Et il lui dit, ce MST là, dans le roman, Ouais, MST, le surnom de il BHL. vaut une centaine de Sayanim, au moins, parce que c'est quelqu'un, d'abord, qui a des réseaux extraordinaires. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent personnel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est allé, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, son père allait faire faillite. Son père était dans le commerce du Dans bois en bois en Afrique. Afrique, oui. Bien. Il était au bord de la faillite. Parce que BHL, il faut savoir, c'est un millionnaire, c'est un archi-millionnaire. Il a une fortune de 200 millions d'euros, quelque chose comme ça.
Là, il passe pour un écrivain, philosophe, oui, de gauche, etc. Mais en fait, c'est un archi-millionnaire. Bon. Donc, il est allé voir Mitterrand et lui a dit, il faut sauver l'entreprise de mon père. Et Mitterrand a donné ordre à une banque nationalisée, nationale, qui n'a rien à voir avec. Il lui a dit, il faut lui donner les fonds nécessaires pour le renflouer. Bon, donc, et il a roulé Bernard Pivot. Bernard Pivot. Oui, Bernard Pivot. Bernard Pivot, ouais. Bernard Pivot, c'est, en 76-77, il était en concurrence avec Finkielkraut, qui tous les deux avaient écrit un livre sur les... On les appelait les nouveaux philosophes. Bon. Et Bernard Pivot raconte cette anecdote. Il dit, j'ai reçu les deux et j'ai invité plutôt Bernard-Henri Lévy. Mais après, j'ai regretté. Je me suis laissé avoir par son bagou. Et donc, c'est quelqu'un qui déjà... jeune, avait un bagou extraordinaire, bon, et qui a développé des... Il y a un livre qui est extraordinaire, qui a été écrit par Patrick Cohen, je crois, c'est pas le même Patrick Cohen. Une biographie de BHL fantastique, que les médias ont... Enfin, il est sorti il y a plusieurs années, et que les médias vraiment ont évité de commenter, de trop commenter. Ça faisait peur, donc. Et c'est quelqu'un qui... Il a même le nom de la rue, de sa rue en Algérie, de la rue où il est né en Algérie, où ses parents, il a même changé le nom pour donner un nom d'un révolutionnaire français à cette rue pour dire, voilà. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vraiment a tout arrangé dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'a rien de juif. Vous savez, dans le roman, je fais dire à Gilles Taïeb, il dit au chef, il dit, mais il n'a rien de juif, lui. Ça, en fait, pour les juifs d'Afrique du Nord, BHL, il n'est pas juif, c'est-à-dire dans le sens où, qu'est-ce qu'il a de juif? Il n'est pas religieux, il n'est pas traditionnaliste, il est marié avec une goye, etc. Et donc, il le déteste un peu, les juifs d'Afrique du Nord. Enfin, il le regarde un peu de travers. Il ne le voit pas comme quelqu'un vraiment des leurs. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a su, grâce à son argent, grâce à son entregent, il s'est mis quasiment tous les chefs d'entreprise dans sa poche, du CAC 40, etc. Il va même jusqu'à, il connaissait, vous savez, le Prisma, c'était une entreprise de presse, qui a entre autres les Voici, Gala, machin, ouais, ouais, c'est un grand groupe, oui. Ouais. Bon. Et une fois par an, et il a passé un accord avec le... On envoie une équipe pour le photographier avec Ariel Dombal et c'est lui qui décide comment sont les photos, etc. C'est quelqu'un qui depuis 20-25 ans, est président du conseil de surveillance d'Arte. Bon. C'est quelqu'un qui s'est construit une villa à Tanger et pour payer la rénovation de cette villa, comme Arte n'a rien à lui refuser, Arte a tourné un documentaire sur la rénovation de la villa, qui était un ancien bordel, et comment on... Et Arte a payé 250 000 euros à BHL comme droit pour rénover sa villa. Donc c'est quelqu'un qui cherche toujours... Et BHL a monté un mur. On peut aller sur le... Vous savez, il y a un café. J'écris ça dans un roman qui s'appelle... comment il s'appelle déjà le... Zut, bon, c'est pas grave, ça, je suis un peu fatigué peut-être. Un pont sur le Détroit, qui se passe à Tanger, ouais. À Tanger, voilà. Donc, BHL, ça c'est la vérité, hein. Il était mitoyen avec le café Hafa. C'est un café de, vous savez, les anciens, ceux qui venaient, les artistes qui venaient pour fumer, etc. Ils allaient beaucoup dans ce café. Et il a monté un mur pour que les gens ne voient pas. C'est un mur qui casse. La vision de la côte. C'est-à-dire, c'est un type qui, quasiment, il fait ce qu'il veut. Voilà. Alors, et Arte, il a été président du Centre National de la Cinématographie, et donc avec tout son pouvoir. Et c'est probablement, enfin, c'est quelqu'un qui travaille, qui est là pour faire passer, comme en Libye, par exemple, faire passer... Ouais. Les desiderata du Mossad, de la CIA, c'est un homme très, comment dire, qui a énormément de pouvoir par ses réseaux.
C'est quelqu'un qui peut presque faire et défaire un journaliste. Donc les gens probablement le craignent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se fait inviter comme il veut, quand il veut, etc. Même si depuis quelque temps quand même, on sent une désaffection du public. Le public nie. Bah, ils adhèrent plus, ils voient plus. Sa pièce est un échec. Voilà. Le public croit de moins en moins. Son dernier livre, il a été vendu à 3000 exemplaires, ce qui n'est rien du tout. Enfin, donc, c'est vrai que c'est un personnage qui attire, qu'on respecte moins, et même dont on se moque, si vous avez remarqué. Oui, j'ai remarqué. Petit à petit, on se moque dans les trucs rigolos, etc. Donc, c'est une statue qui est en train de vaciller. Mais c'est quelqu'un, comment dire, c'est le défenseur de gauche, enfin de gauche, la voix de gauche pour défendre Israël. Enfin, ce qu'il a écrit sur Gaza, c'est l'horreur, etc. Et c'est comme un jeu d'échecs, c'est comme une reine dans un jeu d'échecs. C'est-à-dire pour les Sayanim, pour le Mossad, c'est une pièce maîtresse. C'est une pièce maîtresse, oui. Mais c'est une pièce parce qu'elle est visible. Mais les gens qui sont invisibles sont aussi importants. Vous savez, on ne parle jamais de Maurice Lévy, on ne parle jamais de Stéphane Fouque, etc. Et encore, ce sont des gens publics. Mais il y a des centaines de gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas du tout. Et qui occupent peut-être des positions très importantes. Voilà, qui occupent peut-être à Areva, et qui transmettent des secrets. Par exemple, on a marqué François Zimret. Oui, François Zimret. Voilà. François Zimret était un député au Parlement européen du Parti Socialiste dans les années 2000. Bon. C'est un sioniste, enfin, comme on n'en fait plus. Il se débattait tout le temps pour emmener des parlementaires européens en Israël pour leur montrer la réalité. Bon. À tel point, enfin moi je suivais ces péripéties dans les radios juives, à tel point que même le Parti Socialiste en 2007, il n'a pas voulu le représenter. Tellement il était. Enfin je veux dire, c'était presque. Bon, très bien. Et bien ce type-là, il a été nommé par Sarkozy ambassadeur de France pour les droits de l'homme. Donc. Imaginez, c'est quasiment un agent du Mossad qui va en Tunisie, en Égypte, etc., à surveiller les révolutions, en tant qu'ambassadeur de France pour les droits de l'homme. Aujourd'hui, il est ambassadeur de France au Danemark. Et vous savez que les ambassadeurs reçoivent toujours ce qu'on appelait à l'époque des dépêches diplomatiques. Oui. Bon. Donc des secrets d'État. Pour moi, c'est un agent du Mossad qui doit transmettre toutes les dépêches que veut le Mossad au gouvernement, au ministère des Affaires étrangères israélien. Donc, voilà. Vous savez, Attali avait dit il rêvait d'un gouvernement mondial. Pour moi, aujourd'hui, Israël a presque un gouvernement mondial. Presque. C'est-à-dire, avec ses Sayanim, il a des agents dans tous les pays du monde. Enfin, les pays importants. Tous les pays et qui puis comptent. Au plus haut niveau, en plus de l'État. Voilà, mais bien sûr. Enfin, Dominique Strauss-Kahn, c'est quasiment un agent du Mossad. Donc, sans compter, comme je vous ai dit tout à l'heure, le vice-président de la Fed, etc., enfin, de Goldman Sachs, etc., tous les producteurs de cinéma. Donc, pour moi, aujourd'hui, si on veut extrapoler un peu, Attali. Il a presque annoncé quelque chose qui existe déjà, mais lui, il pense qu'elle va... Parce qu'il aurait voulu l'officialiser. Ça veut dire que tout le monde reconnaisse la centralité de Jérusalem et du pays qu'il occupe. Et dise, vous êtes là, vous êtes les seigneurs et maîtres, etc. Mais de fait, pour moi, Israël est un pays qui a des antennes partout, de telle sorte qu'il peut quasiment contrôler en grande partie ou en partie la politique de ces pays-là en sa faveur. Et donc, il a un gouvernement, comment dire, universel. Universel. Ou universaliste. Caché, quoi, en plus, qui n'est voilà. Pas visible. Ouais. C'est-à-dire qu'il a des dizaines de milliers d'agents qui peuvent faire jouer des leviers. Si vous avez
des complices à Goldman Sachs, si vous avez des complices à la Fed, vous avez le pouvoir bancaire. C'est-à-dire, vous avez suffisamment de pouvoir pour influencer le pouvoir bancaire. Quand quelqu'un m'a posé la question, et comment par exemple on peut contrôler le Maroc ou l'Égypte? Mais tous ces pays-là ont besoin d'avoir des emprunts. Tout le monde a, tous les pays empruntent sur le marché international. Eh bien, le FMI peut fermer le robinet. Vous savez ce qu'on a fait pour la Tunisie? On a retardé les prêts du FMI. Et les islamistes ont échoué. En Égypte, on a organisé une pénurie. Et Morsi a échoué. Et donc finalement, Israël peut par des leviers, sur le plan économique, cinématographique, télévisuel, etc. Donc c'est comme un gouvernement qui a des antennes, qui a des bras, qui a le bras long, qui peut aller jusqu'à New York, jusqu'à Los Angeles, jusqu'à Moscou, etc. Et qui peut faire, qui peut manipuler ces pays. Donc c'est quasiment, moi je dirais presque, il a atteint le statut du gouvernement mondial. Mais en plus, gouvernement invisible, quoi. Oui. Alors, justement, je regardais un petit peu, ah oui, c'est bon, on a dépassé un peu l'heure, mais bon. Alors, on me dit, il y a autre chose que le public goy croit de moins en moins. LFT Rose, ah, je sais pas à quoi tu fais référence. Qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur Cohen est-il déjà allé au dîner du CRIF? Non. Bah non. Oh, je sais pas, peut-être, bon, je sais pas. on me dit, est-ce qu'on pourrait citer des saiyanimes de renom dans les domaines de la musique en France et dans le monde? Ah bah oui, surtout qu'il y en a, Patrick Bruel... Bien sûr. Me semble... Ouais. Oui, bien sûr, Patrick Bruel, on en a fait une vedette. Ouais. Voilà. En fait, c'est quoi? On en a fait une vedette. Mais, c'est-à-dire, il a peut-être un peu de talent, mais... à force de l'inviter, de l'entendre. Elie Semoun, on tente d'en faire une vedette, mais on n'y arrive pas. Parce que bon, malheureusement, on y arrive. Mais il faut voir, depuis des mois, on l'invite à toutes les émissions. Même s'il y a une émission sur la cuisine, une émission sur n'importe quoi. Et moi, je pense que c'est voulu. Vous prenez le nom, vous ne les connaissez peut-être pas, moi je les connais, parce que moi je sais détecter les noms des cinéastes, par exemple, des producteurs. Oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, la moitié des nouveaux noms, enfin je ne sais pas la moitié, en tout cas, un grand nombre sont des juifs d'Afrique du Nord. Donc ils ne sont pas là par hasard. Voilà. C'est-à-dire, il y a probablement, ils ont fait les mêmes écoles que d'autres, mais vu qu'il y a certains qui... Ils disent pourquoi pas un compatriote. Et en plus, c'est vrai que les juifs ont un esprit, en général, un esprit assez communautariste. Et donc, ils préfèrent faire la courte échelle à quelqu'un, un co-religionnaire, plutôt qu'à un autre. Et surtout, dans une période aussi délicate et aussi difficile qu'aujourd'hui, enfin pour eux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pratiquement pas d'arabes. Comment ça se fait? Enfin, je veux dire, dans les médias... Oui, il y en a, très peu, c'est vrai. Ceux qui arrivent, on les blanchit. Ça veut dire, ils acceptent de jouer le jeu, etc. Mais ils arrivent au compte-gouttes. Je veux dire, même l'islam, qui parle de l'islam? Éric Zemmour, Claude Ascolovitch, enfin, je veux dire, des juifs, pourquoi il n'y a pas des sociologues musulmans? Il n'y a pas des philosophes musulmans? Il n'y a pas des économistes musulmans? Vous savez, moi, je connaissais quelqu'un qui étudiait à Dauphine. Elle m'a dit, la majorité des profs sont arabes. Donc, enfin, il y a des tas qui peuvent remplir ces fonctions. Comment ça se fait qu'on les empêche d'arriver? Comment ça se fait qu'on les empêche? On leur ouvre pas la porte pour s'exprimer. C'est extraordinaire. Qui parle de l'islam aujourd'hui? Qui parle des musulmans, comment ils doivent être, comment ils doivent s'habiller, qu'est-ce qu'ils doivent changer dans le Coran? Les juifs et Christophe Barbier. Je veux dire, les ennemis de l'islam, les ennemis des musulmans. Et c'est ça la force des saiyanis. C'est-à-dire que même les musulmans, on leur dit, vous voulez entendre parler de l'islam dans la télévision ou à France Culture, etc., par la bouche d'un juif. Voilà. Et si vous n'êtes pas content, ben vous tournez le bouton, vous allez ailleurs. Oui. C'est extraordinaire.
Oui, c'est-à-dire, c'est vrai, en plus, l'islam, c'est vrai qu'on parle que dans la bouche des juifs, oui. c'est vrai. Un des rares qui aurait pu parler bien de l'islam, Tariq Ramadan. Ouais. Tariq Ramadan, on l'a diabolisé, puis on a fait en sorte qu'il n'apparaisse plus. Voilà. Et on me dit, est-ce que, c'est vrai, c'est une question, est-ce que vous seriez autorisé aujourd'hui à aller en Israël, vous-même? Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'on sait qu'il bloque ça. D'abord, je risque d'être foulé. Oui, d'être foulé à la frontière. Ouais. Et deux, je ne vois pas quel intérêt j'aurais de voir. Parce que moi, je suis allé souvent dans les années 60 et 70. Mmh. Donc j'ai gardé le souvenir d'une société autre. Et aujourd'hui, de voir cette société, comment elle se développe, ça ne m'intéresse pas. Et puis en plus, je risque d'être foulé. Aujourd'hui, on n'imagine pas comment la société israélienne devient... Il y a une semaine, il y a un dessinateur français qui a été refoulé et interdit d'entrer en Israël pour 10 ans. C'est quelque chose d'assez incroyable. Vous savez, Noam Chomsky, Finkelstein ont été interdits. Bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire que c'est une société qui devient... qui se cabre, qui ne permet pas la moindre critique. Et donc, il y a 10-15 ans, ça aurait été inimaginable. Au contraire, les Israéliens voulaient dire, venez, on est des démocrates. Et c'est une preuve encore de leur enfermement et de leur fascisation. Ils n'admettent pas. Alors, un dessinateur, il est allé pour un festival. Voilà. Interdit 10 ans. Ah non, parce que ses dessins n'ont pas plu, oui, parce qu'il a fait des dessins qui étaient pour la Palestine. Voilà. D'accord. Donc je pense que je serai probablement refoulé. Puis ça ne m'intéresse pas de les voir déjà. C'est à l'aéroport, ils sont. C'est une société qui a beaucoup changé. Voilà. Je ne vois pas ce qu'un voyage m'apporte. Si j'étais invité, par exemple, pour une conférence, quelque chose, j'irai. Voilà. Mais pour aller comme ça, faire du tourisme, ou voir de la famille, ou voir des gens, ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors. Une dernière question. Alors, dernière question. Une question assez intéressante en plus. On me dit, c'est une question de Patzikos, les Sayanim et autres leaders judéo-sionistes revendiquent leur judaïté, mais quand on les dénonce, le fait de dire que leur judaïté est leur point de rassemblement, que leur judaïté est leur point de rassemblement amène la suspicion d'antisémitisme. Ce sont pourtant leurs propres revendications. Alors comment faire pour en parler? Oui, ça veut dire qu'il veut dire qu'en fait. Ouais, dès qu'on va dire oui, mais vous faites partie de la communauté, vous soutenez, on va dire ah oui, mais ça c'est antisémite de dire ça. C'est vrai que ce qui est paradoxal, puisque se vendent toute la journée, ils ont le droit, mais en fait, le fait de le remarquer... On n'en sort pas. Voilà, c'est un serpent qui se mord la queue un peu. C'est vrai que c'est très compliqué. Moi je trouve que c'est pour ça qu'il faut développer le côté sayanim de ces gens-là. C'est-à-dire de les attaquer en tant qu'agents. Évidemment, on n'a pas la preuve, mais on peut les attaquer pour leurs actions en faveur d'Israël, etc. Voilà. Et c'est de cette manière-là qu'il faut les attaquer. Et même, moi je dirais qu'il ne faut pas reculer devant l'accusation d'antisémitisme. Il ne faut plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur, voilà. C'est-à-dire, ça... moi, à la limite, si quelqu'un me dit « vous êtes antisémite », comme par exemple, moi, si j'étais à la place de, comment il s'appelle, Besancenot, si le président du CRIF, quand il lui a dit « vous êtes antisémite », il aurait dû lui dire « fuck you ». Voilà. Et il faut apprendre à dire « fuck you » aux dirigeants du CRIF, aux juifs communautaristes. On n'en a rien à foutre de votre accusation. Voilà. C'est ça qu'il faut dire, il faut relever la tête, il faut le renvoyer, et c'est comme ça qu'il faut agir. Voilà. Il faut plus avoir. Il faut plus mettre des gants. Voilà. Ça suffit. Voilà. Il faut les renvoyer dans les cordes, comme on fait dans la boxe, dans le coin et dans le... Il faut les boxer. Et ben, bon. sur ces très bonnes paroles, merci beaucoup, hein, Jacob, d'être venu. Nous aussi, c'était un grand plaisir. J'imagine que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Hein. Alors, je vais saluer évidemment tout le monde sur le chat, puisqu'il y avait du monde. Il y avait Mister Quenel, Alex B, Moa, Scalap, Nassana.Dragon, Trezendro, Opossum, Liberty, LFT, Ross, Usnip, 185.
Sunset, Frisky, Jimmy, Sismix, Robo Zizi, Ludo Reflex, Sam Wang, Mortel, Ignace Boitaclou, enfin bon, hein, vous tous vous reconnaîtrez. En tout cas, bah, merci beaucoup voilà, pour cette émission. Hein, on me dit merci, bon bah ça va alors. Merci à vous aussi derrière vos écrans. Merci à la régie, évidemment. Merci à Sandrine, je crois, qui est dans le coin. À Mika aussi, qui est dans le coin. Et puis, il doit y avoir peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. En tout cas, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Donc, à demain. Ciao !